Voilà, comme ça, on tient chacun notre nom. J'étais à la recherche d'un club, donc c'est vrai que trois m'a contacté et puis je pense que quand on vient ici voir l'installation, voir l'ambiance du club, de l'équipe et le discours du coach, c'est difficile de repartir. Donc on s'est mis d'accord sur un contrat et je suis vraiment très heureux de faire partie de l'Estac aujourd'hui. J'ai eu des offres un peu de pays exotiques, mais bon, j'avais pas trop envie de m'exiler à Chypre ou au fond de la Grèce. Et puis j'espérais, c'est vrai, quelque chose de mieux, un projet un peu plus ambitieux. Et puis je trouve que si le projet vraiment me plaît bien, et donc pour moi c'est vraiment une chance. Est-ce que Damien Perkis a joué un rôle dans ta vie? Oui, bien sûr. J'en rigole, oui, bien sûr. Ben, on en a parlé depuis quelques années. Damien, c'est vraiment un de mes meilleurs amis dans le football. Donc même à l'extérieur, d'ailleurs, c'est un mec vraiment en or. Et on a beaucoup parlé de Troyes, beaucoup parlé de la ville, du club. Et puis et je sais qu'aussi, il a passé un ou deux coups de fil en ma faveur. Il a été, je pense, important. Donc oui, Damien a joué un rôle important. J'imagine que tu dois être content d'intégrer un club de Ligue 1 comme Troyes. Ouais, clairement, parce que bon, c'était pas gagné d'avance. J'étais parti à Fréjus avec l'ambition de jouer, ce que j'ai pu faire sur toute une saison. Et ensuite, rebondir, bah, c'est jamais trop évident de remonter ensuite sur un championnat de Ligue 2 ou de Ligue 1. Moi, j'espérais soit être en Ligue 2 ou en Ligue 1 remplaçant, comme c'est le cas actuellement. Et ça s'est super bien goupillé avec Troyes. Donc je suis vraiment content d'être ici par rapport à la suite de ma carrière éventuellement. Et l'ambiance, franchement, j'étais super surpris en arrivant parce que j'ai l'impression que tout le monde se connaît depuis longtemps, que tout le monde s'entend super bien et c'est vraiment agréable d'arriver dans un groupe comme ça. Il n'y a pas de mecs qui font semblant et ça, c'est, je pense que c'est rare dans le foot actuellement. Après, ouais, c'est un club familial, c'est ce que je disais, c'est un club où on sent que tout le monde est derrière toi, qui te pousse pour être au mieux possible et je pense que c'est essentiel pour y arriver. Ouais.